Salut, nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors vous aurez vu, hein, hier il n'y a pas eu de vlog, tout simplement parce que je vous ai fait quand même l'ouverture cadeau de Noël. Mais le 25, donc le jour de Noël, on n'a rien fait, donc c'était vraiment pas intéressant. C'est pour ça que je vous reprends aujourd'hui avec une livraison, ça vient d'arriver. Il me semble que c'est un panier gourmand, minceur, un petit programme, c'est Ivancy qui me l'a envoyé gratuitement. On va ouvrir ça, mais avant, j'ai envie de me prendre mon deuxième café de la journée. Il doit être 11 h passées. Je vais demander à Eric s'il en veut un. Ça te dit un deuxième café? Oui, Hein? oui. Ouais, je vais faire ça, puis après, j'ouvre le colis. Regardez-moi cette tasse. C'est un des petits cadeaux qu'il a eu, Eric. C'est la tasse, donc un des méchants dans Game of Thrones. Et je peux vous dire qu'il fait bien flipper. Et là, c'est le cadeau d'Elodie, l'abonnée, qui m'a envoyé le petit swap. Je vais me munir des petits ciseaux. Ah oui, attendez, je vous montre un truc d'abord. Regardez-moi tout ça, donc déjà très très beau cadeau, paquet, pardon, emballage papier cadeau. Vous allez dire, mais pourquoi tout ça? Et bien parce qu'en fait, il y a encore les cadeaux de Noël des enfants d'Eric à offrir, on va les voir bientôt. Dis donc, t'as déjà repéré qu'il y avait de la bouffe dans le paquet, toi? Non, tu restes à ta place par contre, je veux bien que tu... Non, ta place, mon joli. Attention, si je vous mets comme ça... Ça va. Je vais prendre mon petit café quand même. C'est parti. Oh, mais ils ont fait ça très très bien, dis donc. Il s'agit de mon panier minceur qui m'a proposé de découvrir leur gamme, mon guide pratique. Wow, atelier TB. Il est beau. Un tablier pour cuisiner. Ils me connaissent, ils savent que je n'arrête pas au niveau de la cuisine. Non, mais il est très très beau. Mon panier minceur, donc de toute façon. Tout va être écrit. Une boîte pour conserver les aliments. Et c'est parti pour la découverte. Attention, parce que t'as ton. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu veux pas regarder? Ah non, j'ai du boulot. Ah, t'es en vacances, hein, je te rappelle. Ah, tu sais, les vacances. Oui, et que tu prépares tes cours et tout, oui. Alors, on commence avec. Qu'est-ce que c'est? Salé autrement. Ah, c'est bien pour toi, ça. Condiments broyés sur mesure, sel de mer non raffiné, sésame complet, graines de... Oh, ça va être très très bon. Ensuite, nous avons digestion sereine, fenouil, thym, romarin. Alors ça, c'est vrai que c'est très très bon quand tu viens de faire un repas. Oh là 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 là, irrésistiblement gourmand, les trois chocolats, source de fibres. Oh, c'est des cornflakes, sans gluten. Ah, j'adore. AB biologique. Qu'y a-t-il d'autre? Carré suisse. Bon, voilà. Hein. Chocolat extra noir 70% de Madagascar. Wow. Sans gluten, des bouchées gourmandes. Ah, c'est ce que j'achète, moi, en plus grand. Ah, c'est parfait, riche en protéines. C'est des petits snacks, moi, que je prends. Super. Wow. Ah, c'est du chocolat blanc dedans. Ah non, moi, c'est pas ça que je prends, alors. C'est sous forme de paquet individuel. Oh là là. Allez, waouh! Ah, d'accord, c'est des plats comme ceci. Alors, nous avons un chili con carne, en espérant que ce ne soit pas épicé parce que je n'ai pas le droit. Ce sera pour Eric sinon. Ensuite, nous avons ravioli au bœuf sauce tomate. Nous avons pavé de saumon sauce aneth et son riz. Hachis parmentier pur bœuf, AB riche en protéines. Galette de soja. Ah, tomate basilic et ses légumes du soleil. Donc à chaque fois, on a les calories pour une personne, comment ça se cuit, ça se chauffe. Mijoté de légumes mexicains. Ben, j'aurais peut-être dû prévenir quand même que je ne pouvais pas manger parce que j'ai l'impression qu'il y a au moins trois plats. Ça va être Eric qui va manger tout ça, je sens. Salade niçoise. Thon. Ah, c'est sympa. Salade provençale, poulet, torsade et légumes du soleil. Soupe aux 12 légumes. Cool. Celle-ci, potiron, marron et courge butternut. Lentilles corail et épices. Bon. Et nous avons purée de pommes et de pêches sans sucre ajouté. Des compotes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au préalable, quand ils m'ont proposé de tester, je leur ai dit, voilà, moi je veux bien, sachant que j'ai 2-3 petits kilos à perdre et j'ai reçu ça. Si vous en avez plus, il y aura plus et ainsi de suite. J'ai juste oublié de dire que je ne pouvais pas manger épicé. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses épicées.
On verra, de toute façon, ça ne sera pas perdu. Eric est en train de regarder la provenance, c'est ça, hein? S'intéresser aux choses. Tout à fait. Là, il y a marqué bœuf français sur celui-ci. Ouais. Ouais, non, c'est bon, c'est marqué. Mais d'abord, vu qu'il est midi, je vais me faire ça. Je les ai achetés hier. J'adore, c'est les œufs de limpe. Je me fais des petits toasts en ce moment. J'ai pris ceux-là. Eric a littéralement flashé hein, sur ça. D'ailleurs, ça ne me va pas, c'est beaucoup trop grand. Donc lui, ça lui va très très bien. Très beau tablier. Je voulais vous dire aussi, après, je vais aller chez Action parce que j'en ai plus de scotch. Et surtout, j'ai tellement de choses à emballer, comme je vous ai montré. Donc ça va être ça cet après-midi. J'ai besoin aussi de prendre d'autres trucs chez Action. Mais pour l'instant, c'est petit toast. Je vous montre mon petit look avant de partir. Bien évidemment, avec mon nouveau miroir. J'adore, j'adore, j'adore. Donc la salopette, il y a longtemps que je l'ai mise. Je trouve que ça va bien avec ce petit haut comme ça, rayure. Les collants et mes boots vernis. Elles sont vraiment sympas. Je n'ai pas encore rangé, c'est quand j'ai fait mon haul hier. Et je vous dis, j'en sais rien si je la laisse là, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Dites-moi vous, si vous aimez bien là où je l'ai mise en attendant. Comme je vous ai dit juste avant, je vais à Action chercher, vous savez, les stickers déjà, les tringles, parce que ça fait, franchement, ça fait au moins 15 jours pour mettre sur les fenêtres. Je pense que ça sera plutôt à Jiffy, ça. Et puis du scotch et 2-3 babioles. Il faut que je me dépêche d'emballer tous les cadeaux. Et ouais, on me voit. Très intéressant comme plan. Je sens que très prochainement on va refaire un petit tour déchetterie parce qu'en bas il y a la même chose, hein, même un peu plus. Je vous montre juste un truc, j'avais pensé à ce motif là. Attendez, hop hop hop. Pour toutes les zones, comme je vous disais, jaunes. Je sais pas, mais d'ailleurs je vais aller voir chez Action, peut-être qu'ils en ont. Parce qu'il me faut quand même un grand. Hein. Un truc large, notamment pour ici. Puis après je couperai, je pense, avec le cutter. J'étais sur le point de partir et je me suis dit, mais non, je vais leur montrer mon nouveau sac à main, comment il rend porté avec notamment ma veste rouge. Ça rend plutôt très très bien tout ça. Et vu de plus loin, bah, ça donne ça. J'ai fait un stop rapide chez Jiffy parce que je savais qu'ils en avaient, donc voilà. Peut-être en prendre deux paquets quand même, ce 4 ça va pas aller. Et après, bah, je vais chez Action. J'ai trouvé de l'adhésif pour ma chaise chez Jiffy, mais je vais quand même aller chez Action. Mais si je vous prends, c'est parce que, souvenez-vous du conte de Noël, avec le petit chat qui est revenu au bout d'un an, blablabla, mais que je n'ai pas vu. J'avais vu le petit, mais pas le grand. Et j'ai très envie d'y aller, mais c'est juste là. C'est là, c'est juste à côté. Bon, ben voilà, ça commence. Regardez-moi ça à l'ouverture. Bonjour, mon bébé, ça. Qu'est-ce que t'as fait, mon bébé? Et il est où, ton frère? Il est où, ton... Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? J'adore, je fais genre l'air décidé. Et en fait, j'ai rien à acheter. Mais je ne le trouve pas. Ah, bah, je n'avais même pas fait gaffe, ils ont tout enlevé. Ils n'ont pas traîné, hein, les sapins, les trucs. Pas de Milou. Bon, j'ai fait tout le tour, mais j'ai pas vu. C'est pas grave, ça sera la prochaine fois. Hop. Bon, de toute façon, je ne vais pas y aller pour beaucoup de choses, enfin j'espère. Et je vais quand même regarder au niveau du washi tape. Je crois pas qu'ils en fassent du gros en fait. C'était que chez Jiffy le large. J'arrête pas de voir ça. Voilà. Truc magnétique là. Magnetic tape, mais du classique. Ah si, plein là. Ah yes. Et ben voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup moins de choses et qu'ils sont en plein réaménagement, arrivage et compagnie. Oh, qu'est-ce qu'il est joli ce cadre. Enfin, la photo surtout, c'est pas le cadre, c'est la photo. C'est quand même beau le noir et blanc. J'avais oublié, Eric m'a dit, oh, du coca. Je crois qu'il y en a ici. Ça a l'air drôle ça. Oh, d'ailleurs, il faut que je vous montre, hier devant la télé, du grand n'importe quoi. J'ai acheté, bah, je vous montrerai en rentrant, j'ai dégommé les trucs. Oh, j'étais barbouillée toute la nuit, encore même ce matin. Ça, j'ai déjà goûté. C'est magique. Il n'y a pas mieux, c'est excellent. Mais pareil, si tu ne sais pas t'arrêter, là, tu t'écœures. On rentre, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Regardez, c'est ce que je vous disais. Tout ça acheté. Ouais, vite fait. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé. J'étais donc chez Action, comme vous l'avez vu. Et je commençais à sentir des regards appuyés. Vous savez, hein, ce sentiment qu'on vous épie, qu'on vous regarde de façon assez appuyée. Et bon, je me suis dit, bon, laisse tomber, c'est peut-être moi. Et à un moment donné, je vais dans les autres rayons, ça continue.
Et je me rends compte qu'il y avait deux nanas qui me suivaient, carrément, de, je dirais, ouais, 15-17 ans. Et ça pouffait de rire, ça me regardait, ça n'a pas osé. Dès que je regardais, ça baissait la tête. Et j'ai bien compris que bah, m'avait reconnu par rapport à YouTube. Mais c'est un sentiment qui est très étrange quand la personne ne vient pas vers toi ou ne t'explique pas pourquoi ses regards. Et c'est hyper déstabilisant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon, je vais partir. Bon, j'avais oublié le coca, j'avais oublié tout ça. Et ça continuait, ça continuait. Très souvent, les youtubeurs vous le disent, mais maintenant que je suis un petit peu confrontée à ça, faites un signe ou alors venez voir même deux secondes, dites « Ah, je te suis » ou « Voilà, je t'ai reconnu » plutôt que d'agir comme ça, c'est hyper, hyper gênant, quoi. Surtout quand t'es pas habitué. Bref, c'est pas bien grave, là. C'était pas intrusif, des insultes ou ce genre de choses, bien évidemment. Mais bon, la dernière fois, quand on était avec Eric, je vous en ai pas parlé, on mangeait chez Buffalo. Donc une abonnée, si elle me regarde, je te salue, qui vient carrément me voir, qui me dit « Je vous suis, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Notamment bah, le vlog quand j'étais à Saint-Martin, elle avait beaucoup aimé bah, le reportage que j'avais fait. Et voilà. Et en plus, ce qui était dingue, c'est que cette personne n'habitait pas du tout dans ma ville. Elle faisait juste un stop. Elle était dans le sud, quoi, genre à 800 km vers Marseille de chez moi. Et elle m'a reconnue. Et c'était vraiment très sympa comme rencontre. Mais voilà, donc n'hésitez pas, franchement, si vous me voyez ou quoi, faites-moi un petit signe ou mettez-moi sur la piste parce que c'est assez gênant. Voilà, bref, petit aparté. Alors, chez Action, j'ai pris ça pour éventuellement, peu importe, hein, quelle DIY, customisation. Ça, c'est un kit, il y a 4 packs, c'est des lingettes et moi, je les utilise pour nettoyer mes pinceaux. C'est hyper pratique. Voilà, hein, vous l'aurez vu, j'ai pris son coca sans sucre, hein. J'ai pris ça, c'était chez Jiffy, vous voyez, donc très large. Le rose tendre me plaisait beaucoup, je vous l'ai montré, je ne sais plus. Beaucoup plus fin, mais j'aimais beaucoup les motifs, les graphiques. Non, les graphismes, très graphiques, voilà. Bah, tu râles toi maintenant, hein? Le truc de Jack, c'est pas compliqué, dès que je rentre, il pleure. Dès que je reviens, il pleure, c'est quoi ça? Nous avons ceci, donc comme... celui qui est là, mais rose toujours, rose et blanc rayé. Et bah, le scotch, hein. J'espère que c'est un diamètre qui est standard. La base, ça je vous l'ai montré. Les petits supports adhésifs. Oh, c'est des bisous d'amour, ça, sa maman. Fais voir comment tu fais des bisous. Fais voir comment... Oh, tu peux mettre tes bébés. Je suis en train de faire le truc. C'est un machin scotché à mettre. Oui. Tu vas t'en sortir, non? C'est pas ça, c'est que je voulais que tu participes. Mais j'avais pas envie de participer. Vieux con! Oui. C'est parti pour l'emballage. Les papiers sont magnifiques. Je pense que ça va faire très sympa une fois que ça sera fini. Bref, j'emballe là, tout ça. Je pense que j'en ai pour une bonne demi-heure, une heure, hein, je pense. Et puis je vous reprends juste après. La fille qui monte un escalier. Et elle en peut plus. Ça me manque de cardio, tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau résistance, c'est biton. Pourtant, c'est assez épais. Mais alors, le moindre truc... Regarde. Voilà. Là, je suis dégoûtée, quoi. Je vais pas m'éterniser dessus parce que, franchement, je suis déçue. Vraiment papier de merde, ce qui fait que bah c'est moche au niveau des finitions. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même utilisé. Et puis, on continuera plus tard pour les autres. Alors, est-ce que je vais commencer? Mais comme je suis pas certaine du truc, je vais quand même étudier la chose avant de mettre, même si je pense que ça s'enlève, hein, si j'aime pas le rendu. Parce que là, je peux mettre du beaucoup plus fin. Je vais voir. Et les poignées, peut-être du ruban. J'ai mis comme ça, c'est pas mal. Alors, faut pas regarder trop près non plus, hein, parce que les finitions... Ah, bébé, tu tombes bien! J'ai fait tous les paquets cadeaux, mais faudrait que tu me les descendes. Alors, j'arrive, parce que tu vas scriper avec mon kiki, là-bas. Oh, merde. En fait, je positionne tout le scotch, et vu... qui a un petit renfoncement, et bah le cutter, hop, il fait des lignes toutes droites. Ça, c'est cool. Tu vas me dire. Mais si, regarde. C'est chouette, non? Alors, non? En plus, je te mets pas une chaise de galère. Bah moi, je l'ai cassé comme ça. Tu peux me descendre ça? Alors, une catastrophe, hein, le papier. Il se déchire, c'est de la merdasse. Oh là là, le cinéma. Regarde, oh là là, c'est déjà tout.
Bah, il ne t'aide pas, ça. Bah non, bah c'est ce que je fais, je ne t'aide pas, bébé. Il faut éviter de le toucher un maximum, sinon tout... Bah, je sais pas, moi, dans l'entrée ou... Dans ton bureau. Bah, dans ton cul. Deuxième. Eh bah, moi, ça me plaît. Et voilà, le troisième. Ça prend forme. J'ai mis mon petit poncho, j'avais un peu froid et j'ai attaché mes cheveux. Ah, je tiens pas longtemps, hein, les cheveux détachés. On va les goûter, Jackie? Ouais, j'ai faim moi aussi. Je vais me faire ça avec bah, la nouveauté, je vais le goûter, ça a l'air trop bon. Oh, chocolat blanc. Allez. J'imaginais pas du tout ça. Est-ce que c'est bon? Mais c'est pas régime ça. C'est pas possible. J'enchaîne avec une petite infusion, bah, celle que j'ai reçue hein, dans la panier minceur. Et je monte bosser. Qu'est-ce que ça sent bon, le gingembre quand il s'est chauffé comme ça. Il est 18h29. Je vous reprends. J'ai bien bossé et quelque chose me dit que ce vlog va durer très longtemps. Je pense que c'est même le plus long vlog que j'ai pu faire parce qu'en général je fais des vlogs 10, max 13, grand max. Mais alors là, je crois que j'ai tout fait péter. Comme je vous ai dit, c'est pas que j'aime pas, mais ça va me prendre un temps fou à uploader. C'est pas grave, c'est ainsi. Je vais clôturer maintenant ce vlog, il fait nuit, j'ai même pas allumé derrière. Et vous dire à demain pour eh bien, la suite des vlogs. Je vous embrasse. Vous l'entendez? C'est Eric qui dort, qui chante. Je vous fais un gros bisou. Salut!